Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de mai, je pense que vous allez être contents, les amis. En effet, Jupiter entre en Taureau. Bon, vous savez qu'elle change de signe une fois par an, parfois deux, mais là, bon, elle entre en Taureau le 16 et le Taureau est en harmonie avec vous. C'est votre secteur des amitiés, des projets, des rencontres un petit peu imprévues, enfin de tout ce qui peut être imprévisible. Et donc, évidemment, vous pouvez avoir des bonnes surprises, étant donné que Jupiter est en bon aspect avec vous. Alors, vous savez que c'est une planète qui amplifie tout, hein, le bon comme le moins bon. Alors, elle transporte forcément des aspects avec elle de votre thème natal. Si elle transporte des bons aspects, alors vraiment, vous allez être heureux, vous allez vous retrouver avec une bande d'amis avec qui vous serez à l'aise, parce qu'avec Jupiter, on est toujours à l'aise avec les autres. Hein. C'est une de ses caractéristiques. On est à l'aise, pourquoi ? Parce qu'on est en confiance, hein, tout simplement. Vous pouvez également éprouver de l'admiration pour quelqu'un et vous en faire un modèle, hein. C'est quelque chose de très fréquent quand Jupiter est en Taureau, parce que elle a un rapport avec le Lion, hein, et le côté admiratif qu'on peut avoir pour quelqu'un. Si vous vous trouvez un mentor, surtout n'hésitez pas à le copier, hein. Du côté de vos activités, de votre vie quotidienne, Mars, hein, Mars est entré dans votre signe déjà le 25 mars. Elle a passé une partie du mois d'avril et maintenant elle est dans le troisième. Elle va arriver dans le troisième décan de votre signe à partir du 8. Et du 8 au 20, elle va être en bon aspect avec Neptune. Donc, franchement, si vous avez quelque chose à démarrer, c'est le bon moment, parce que vous atteindrez votre objectif, et non seulement vous atteindrez votre objectif, mais il y aura du monde qui va vous respecter, vous regarder peut-être avec admiration, hein, on en parlait. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez réussir avec ce Mars. Bon, maintenant, il n'y a pas que des côtés positifs, hein, avec Mars. On le sait très bien, les anciens l'appelaient la petite maléfique. Mais bon, faut mettre ça entre guillemets. Donc, vous pouvez être trop impatient, trop impulsif. Il y a un côté un petit peu excessif, hein, avec Mars dans votre signe. Les humeurs peuvent aller très haut, mais elle est très bas aussi, et donc vous pouvez être un petit peu compliqué, difficile à vivre, hein. Mais vous saurez vous faire pardonner, parce qu'il y a ce Neptune, hein, qui, Mars est une planète sèche, donc son bon aspect avec Neptune va la rendre un peu moins sèche, hein, puisque c'est une planète d'eau. Donc il y aura peut-être aussi beaucoup d'émotions, hein, à exprimer. Côté cœur, Vénus aussi en Cancer, hein, donc c'est très bon, hein, pour vous, dans la mesure où avoir Vénus dans son signe, ça n'arrive qu'une fois par an. Premier décan du 7 au 16, et deuxième décan du 16 au 26. Premier décan, elle est en bon aspect avec Saturne, donc si vous faites une rencontre, hein, dites-vous que ça peut être quelque chose de durable. À moins que vous ne rencontriez quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, ou qui a beaucoup d'expérience et que vous allez admirer, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire des rencontres, hein. Premier, deuxième décan, vous n'avez finalement aucune dissonance, hein, sur vos décans. On ne peut qu'interpréter de manière positive cette Vénus, pleine de tendresse, de sensualité, d'appétit, de vie, hein, de gourmandise. Alors attention, hein, aussi, vous aurez envie de sucre. Donc, c'est bientôt les vacances. Surveillez vos appétits qui parfois n'auront pas de limites, hein,
C'est vrai que c'est difficile hein, quand on a envie, besoin de plaisir, comme c'est le cas quand Vénus est chez nous, dans notre signe. C'est un petit peu difficile de se frustrer et de se mettre justement des limites. D'excellentes journées, hein, le 5, le 13, le 18 et le 28 aussi, parce que la Lune sera en harmonie avec vous et vous serez vous-même en harmonie avec la vie et avec toutes les bonnes choses qu'elle peut vous proposer ce mois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'estlastro.com. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On donne des consultations, hein, Zoé et moi. Et puis enfin, si vous voulez nous retrouver sur le live le mardi soir, c'est à 20h. Bon mois de mai.